On est des juges. Oh, on a parlé de toi, va bien. On a des juges avec des magnifiques sourires. Vous pouvez pas les voir. Ils sont adorables. Non, j'aime tes dents. Alors, présentement, des juges professionnels. Nous avons une de la Hongrie, une de, du Québec. Elle a fait le tour du Québec, elle a vu des moustaches. Lui est allé en Europe. On ne sait pas beaucoup, il est allé en Europe, mais il a bien trippé là-bas. Et madame ici est allée en Asie, trip, tu sais, Vietnam, tout le classique. Elle a capoté bien radio. Pas beaucoup de moustaches, mais c'était le fun, ça a l'air. Alors, présentement, chers amis, nous sommes rendus à la deuxième édition, oui, la deuxième édition du festival de moustaches, le concours international, chers amis, de la moustache. Amateur de virilité, amateur de oui, j'ai une belle gueule puis je m'accepte. Bienvenue à Saint-Hyacinthe. Oui, c'est un classique. Chers amis, comme nous sommes rendus à la deuxième édition, nous allons refaire notre chanson de la barbe. Alors, chers amis, nous allons répéter après moi, c'est très simple, c'est une chanson à répondre. Alors, j'ai de la barbe. J'ai de la barbe. T'as de la barbe. T'as de la barbe. Nous avons, vous avez de la barbe. Nous avons, vous avez de la barbe. Je suis barbu. Je suis barbu. Je suis poilu. Je suis poilu. Je ressemble à un. Vous êtes mes chums. Alors, chérie. Bon, nous avons déjà deux candidats trop chauds. Il nous manque le candidat numéro 7 et 11. Alors, numéro 7, je te vois, t'es là. Numéro 7, va-t'en là. Notre représentant arabe. Allez, merci beaucoup. Alors, le 11 est là. C'est beau, c'est notre photographe. Faut que t'ailles là-bas, tu peux pas monter tout ça sous le stage. Il est tellement stressé. Je le sais, c'est une condition hardcore. Alors, chers amis, madame l'hôtesse est-elle présente? Madame hôtesse, est-ce que je peux donner le signal de sa magnifique deuxième édition de Folie Fantaisie, je m'embarque? C'est OK. Alors, chers amis, nous allons commencer dès maintenant le magnifique concours de moustaches. Nous allons commencer par le candidat numéro 1. J'ai l'honneur de vous présenter Maurice Blanchet. Ce monsieur est un fan club Facebook de la moustache en Mauricie. On t'adore. Il a cette magnifique moustache depuis 30 ans. Et plus, chers amis. Non, il y a du travail. Cher juge, je vous demanderai maintenant de voter pour cette magnifique moustache. 1, 2, 3, c'est parti. Nous avons un total de 3, 5, 5, 4 et un 4. Mon Dieu Seigneur. Maurice. Ici, nous allons continuer avec la deuxième étape de la magnifique. J'ai de la mousse à bien, j'ai de la mousse à l'arbre. Alors, Maurice, let's go, Maurice, un petit peu plus. Oui, non, oh. Et nous avons... Oh, t'as pas Maurice. Attention, là. Hein? Oh, que... non, c'est beau. Vas-tu te t'avoir? Oh, que c'est beau, Maurice. Voici, Maurice, on est une victorieux. Let's go, Maurice, comme moi bien. Ah, mon Dieu, Seigneur. On commence par le numéro 1, les jambes me shake. Je vais tomber à terre, les genoux vont me shaker. Cher juge, je vous demanderai de voter. Nous avons un 3, un 5, un 4, un 4 pour la magnifique jeu de la bière sous la moustache. Maurice, un grand merci. On commence fort cette année. Merci pour la deuxième édition. Je t'apprécie. C'est un homme, chers amis. Ça fait plus d'un mois qu'il préparait cette moustache-là juste pour vous autres. Attendez, là, un mois, le gars, il se prépare ça. C'est une minute. Get the hype, là, t'es sérieux. OK, on part au numéro 2, chers amis. Numéro 2, nous avons le magnifique Aimé Poitras. Chers amis, Aimé Poitras! Aimé Poitras a fait cette magnifique moustache parce qu'il aimait son grand-père. S'il n'y a pas d'émotion dans ce ici, créez-moi une émotion. Sur ce, mon cher juge, je vous demanderai de voter. 1, 2, 3, go, c'est parti, nous votons. Nous avons un 5, un 5, un 5, un 4 et un 3. Mon Dieu Seigneur, c'est magnifique. Nous continuons, monsieur, avec la magnifique Gilles Bière. Ici, nous sommes rendus à la deuxième étape du magnifique concours. La moustache de Bière. Je crois que... Oh! Chers amis et mes juges, j'aimerais qu'on passe au vote. Nous avons un 4, un 4, un 4, un 5 et un 3 encore. Chers amis, un grand merci.
Aimé, merci. L'année passée, t'as fait autant. Merci beaucoup. Alors, chers amis, c'est des habitués qui viennent d'année en année. C'est trop beau. Alors, on va continuer avec le candidat numéro 3. Chers amis, le candidat numéro 3 s'appelle Marcel Gingras. Marcel est capable de monter seul. Marcel a sa moustache depuis qu'il est haut comme ça et même avant. Posez-vous des questions. Alors, chers amis juges, on passe au vote sur cette magnifique moustache. Culeuse. Nous avons un numéro 3, 2, 3. Nous avons un 5 et nous avons un 2, chers amis. OK, les juges, buvez de la bière, ça pourrait aider. Alors, nous allons maintenant au concours de la magnifique moustache de bière. Marcel. C'est proche. Alors, Marcel, j'aimerais, sur cette magnifique moustache, comment les juges, là? Nous avons un 5, un 3, un 5, un 4 et un 5, chers amis. C'est magnifique. Marcel, merci, comme à chaque année, reviens-nous, s'il te plaît. Marcel est très riche ici, il est prêt à payer. On n'a rien vu, on coupe ça. Alors, merci beaucoup, Marcel, à l'année prochaine. Alors, prochain candidat, numéro 4. Chers amis, le mouvement féministe va empoigner une shot. Alors, chantez-moi de la tonne, chantez-moi de la tonne. Alors, j'aimerais très la magnifique et la seule. Chers amis, elle est née comme ça. Je sais que certains ne le croiront pas, mais il y a des cirques partout en Europe. Alors, nous continuons. Est-ce que, juge, vous adorez cette magnifique moustache fine, discrète, mais agréable à regarder? Chers juges, on passe au vote. Nous avons un 3, un 2, un 2, un 3, un 2. On a des juges, on les a recrutés, c'est comme ça cette année, chers amis. Elle cherchait un concours de moustache depuis très longtemps. Le secondaire était ce qu'il était, hein, on s'entend? Alors, madame, concours de bière pour vous. On s'attend à une moustache les plus magnifiques. Oui! À pas le doigt! C'est défendu! C'est défendu! Je le sais, mais là, ici, nous avons, oui, aucune gorgée, aucune... Non, oui, peut-être. Chose de magnifique, chers amis. Nous avons un 4, un 4, un 2, un 4 et un 3. Audrey, merci beaucoup. C'est un honneur.